beaucoup. Alors, seconde partie de cette vidéo, je vais vous baisser un peu plus. Hein, nos bazars, les franges, le bleu, là, enfin voilà. La petite poubelle scrap. J'ai donc, pour cette deuxième partie vidéo, on va faire la reliure. Encore une fois, c'est parce que certaines d'entre vous me disent non, écoute, c'est pas possible, Audrey, le junk, machin. Voilà, je sais, je comprends que quand on sait pas trop qu'on se lance et que ça fait tout de suite tout un tas de feuilles, etc. Voilà, c'est flippant. Mais surtout qu'on a l'impression qu'on s'en sort pas. C'est pas que c'est flippant, flippant. Alors, j'ai donc taillé toutes mes feuilles, y compris par rapport à la couverture, pour vous en ayez un, on va dire, qui est de la même taille, pas déstructuré, tout ça. Ce qui, moi, je vous assure, me traumatise. Tout à l'heure, je feuilletais en me disant, bah, mais après tout, il faut se lancer des défis dans la vie. Alors, à 2 cm en bas, donc vous attrapez vos feuilles, vous les calez toutes pour qu'elles ne bougent pas. Donc là, moi, j'ai plein de petits, j'ai 2 gros trombones. Et j'ai tellement bien rangé, ça m'énerve. Un trombone licorne de MC et un trombone, je crois que c'est Marielle qui m'a envoyé. J'ai tellement tout bien rangé que je ne les retrouve pas, ça me saoule. Enfin bref. Donc moi j'ai mis tous mes trombones. Je mets, toutes mes feuilles sont pliées, donc je vous rappelle, elles sont sur 10 sur 15. Attends, il est où mon calepin? Oui, c'est ça, 10 sur 15. Non, 11 sur 15. 11 ou 10 si vous voulez qu'il y a un petit jeu dans la couverture. Enfin, qu'il y a un petit peu d'écart. Parce que là, il fait pile poil. Le livret, le signet fait pile poil. Regardez. La couverture, les pages. Si vous voulez que ce soit un tout petit peu plus grand, du coup, vous faites 12 sur 16. Voilà. Enfin, 16 de grandeur quand elles sont dépliées. Sinon, je vous rappelle que voilà, c'est sur 7,5. Hop! Donc, je raplatis bien parce que forcément, je viens de bouger les choses. Je fais à 2 cm en bas un trou. Alors là, vous y allez, mes deux bons cœurs, hein, vous voyez, vous faites ça. Moi, je tournicote. Vous pouvez prendre les trucs qui font les trous à œillets, mais après, je trouve que le trou est trop gros par rapport à la page. Je préfère quand même ce genre de d'outils. Donc là, j'ai fait mon trou à 2. Je maintiens bien. Alors, attention, c'est là que faites attention à vos petits doigts et tout ça. Et je sors. Voyez, je tournicote, je grossis le trou, hein. Voilà. Là-dessus, je ne fais que 2 trous parce que c'est un mini et que je vous ai promis, entre guillemets, qu'on ferait un mini simple. Concrètement, dans quel sens là c'est? Je suis en train de me dire qu'elle est à l'envers. Attends. Elle est à l'envers par rapport à cette pochette-ci. De toute façon, c'est pas grave. Vu que c'est. Ah, mais non, mais par rapport aux oiseaux. Peut-être pas à l'envers. Ils sont où les oiseaux? Si, elle est à l'envers. Oui, alors faites attention à ça. Vous me direz que c'est pas bien grave si la page est à l'envers. Bon, moi, ça va me traumatiser. Donc, je le sais, je me connais. Voilà. Pourquoi j'ai terminé par cette page-ci? Je vous ai dit qu'on faisait de manière à faire égal. D'accord? Qu'il n'y ait pas de grosses différences, que vous n'ayez pas trop de déstructuré. Mais quoi que je fasse, là, ma page d'agenda était plus courte. C'est pas grave. Je l'ai choisi de la mettre en dernier. Parce qu'on va faire la reliure. Et là, ça, on le remettra sur les côtés. Ça fera une petite pochette. Ce qui cachera le fil central. Voilà. C'est mon idée et c'est pourquoi c'est le seul papier qui est déstructuré. Vous voyez, par rapport au sens de mes oiseaux, sinon après l'écriture n'était pas dans le bon sens. Donc, puis alors moi, ça suffit à me traumatiser. Hop, qu'il y ait un papier avec de l'écriture qui soit complètement dans le sens inverse de la créa. Donc, je suis capable de vous dire, bah, c'est raté parce que. Alors que, pas vraiment, encore une fois, si on réfléchit, l'esprit d'un jeune, c'est rattraper toutes ces feuilles déchets
qui irait à la poubelle et s'en servir. Ensuite, on prend une aiguille. La mienne est en piteux état. Gégé m'en a offert une beaucoup plus grosse, mais je m'en sers quand j'ai vraiment beaucoup d'épaisseur. Là, ça va aller, puisque je vous ai dit, c'est une vingtaine de feuilles. Alors, là, c'est peut-être la partie que vous allez préférer. Hein, me regarder passer 3 heures le fil. Alors, pourquoi je suis extrêmement lente? C'est parce que le problème de la twine, j'adore faire une reliure à la twine. Le problème, c'est que si vous ne tirez pas bien votre twine, vous avez un petit fil, genre le marron, là, qui se recroqueville et vous êtes coincé, vous n'avez que le blanc qui est passé. Voilà. Et on va commencer par l'extérieur et on va faire deux fois le passage. Alors, extérieur, la couverture, je prends mon trou initial. Vous voyez, ça passe comme dans du beurre. Hop là! Et par la tête, parce que forcément la tête est un peu plus grosse. Je repasse à l'intérieur. Ça ressort tout seul. Et ça, c'est super facile si vous n'avez pas beaucoup, beaucoup de feuilles. Là, je vous ai fait faire avec une vingtaine de feuilles. En général, quand je fais mes gros junk, vous doutez bien que, en plus, je ne suis pas du genre à calculer. Je vous l'ai dit, je teinte, et puis voilà. Du coup, en général, j'ai beaucoup plus de mal à passer. De plus, il y a plus de matière, comme du vélum, des choses comme ça. Et alors là, c'est une horreur. Ça y est. Ah là là. Ah, ces fils. Voilà pourquoi d'habitude, je fais un double nœud. Enfin, un nœud, je vous ai déjà montré. La couture pour les nuls, selon Audrey, vous attrapez, tiens, voyez ce que je vous ai dit? Il n'y a que le blanc qui sort, pas le marron, vous détricotez toute votre twine, c'est casse-pied. Voilà, je le ressors, donc j'ai fait en fait deux fois le tour. Parce que ça vous permet de mieux maintenir, d'accord? Donc vous rattrapez et vous faites un nœud plat. Moi, le nœud plat, du coup, j'aime bien en général, entre guillemets, l'emmêler et le doubler. Dans le premier fil sécurisé. Parce que normalement, si vous passez qu'un passage, c'est bon, mais moi, j'aime bien être sûr quand même. Et voilà, dans le double. Mon nœud plat, j'en fais un triple. Voilà, jamais assez sécurisé. On enlève nos trombones. Et voilà. Vous avez votre mini junk. Là, j'ai un peu l'enveloppe qui dépasse, mais bon. Ça, on verra, parce que je pense que je vais quand même rhabiller un peu la couverture. Je vous le montre. Donc, concrètement, ça y est, vous l'avez fait. Et ça, dites-vous que ça, la rigueur, faudrait en faire plusieurs comme ça. Si ce format-là vous a plu, vous avez réussi à faire ça. Je vous conseille d'en faire 2-3. D'accord? Ça, vous aurez 2-3. Et ces 2-3-là, vous les réunissez sur une tranche et ça y est, vous avez un junk. Il est beaucoup plus petit en hauteur. Cependant, il aura la taille d'un junk, etc. Enfin, en tout cas, quelque chose de plus consistant et sans que ça vous ait pris la tête. Vous avez vu, les papiers, moi, ils étaient pré-teintés. Je vous les ai montrés, j'ai coupé sur les mesures que je vous ai données. Concrètement, je suis allée faire ma vie. Là, ce soir, je viens de vous faire un tuto en 5 minutes. Quoi. Et votre junk, à la rigueur, là, il est bon. C'est après, selon vous, ce que vous voudrez faire, mettre dedans, etc. Donc ça, c'est la pochette enveloppe qui était déjà là, le fond qui était déjà coupé. Là, celle-là, elle était plus grande, souvenez-vous, c'est des feuilles de cahier. Du coup, j'ai replié pour qu'elle s'ouvre, mais à la taille du junk initial. Regardez ce que j'ai. J'ai pas dû faire de grand pliage. Donc là, on a une feuille bleue oiseau, le Bristol, le papier. Ah, j'allais dire, j'ai mis deux d'un coup. J'ai remis un spray d'encre bleue. Hein, donc voilà. Là, les fleurs. À nouveau, les oiseaux. Une pochette dans laquelle je sais pas ce qu'on mettra. Je vais faire les décos avec vous si vous voulez. Voilà. Là, le papier musique, pareil. Comme il dépassait, j'ai replié d'une manière à ce qu'on voit la note. Ah, ben elle est à l'envers, elle. Ouais, enfin bon. Voilà. Et je vous ai dit, hein, ce qui compte, c'est feuilles, oiseaux, fleurs.
fleur oiseau même. Ça, c'est l'enveloppe. Par contre, j'ai recoupé les bords. L'enveloppe, et là, je referai certainement un point de colle pour que vous gardiez cet aspect pochette enveloppe sur le côté. Mais c'est qu'une enveloppe que j'ai coupée sur les côtés et qui est reliée par juste, et pareil, les deux points de couture. Hein. En soi, elle n'a rien de compliqué. Là, vous coupez les bords, et ben, ça reste une... C'est parce que je ne l'avais pas collé initialement. Mais je l'aurais collé, ça vous fait juste une pochette. Hein. Pochette, c'est une enveloppe. C'est rien de compliqué. Il n'y a pas un pliage savant ou je ne sais pas quoi. Une autre feuille, une feuille. Là, je vous ai dit, la centrale avec la feuille qui, quoi que je fasse, était plus petite. Donc là, on va mettre juste deux points de colle. Je vais le faire là avec vous, devant vous. Donc vous faites deux traits de colle là sur les côtés. On appuie 2 secondes dessus. Et ça y est, vous avez une pochette pour glisser. Qu'est-ce que je pourrais glisser là? Que j'aurai mes fameuses cartounettes là toutes faites. Voilà quoi. C'est ce que je veux pas forcer parce que voilà, mais vous voyez. Bon, là, ça tranche pas parce que blanc sur blanc, travaillé, il en faudrait une avec plus de bleu. Est-ce que j'aurais ça, là, dans l'eau? Celle-là, là, elle pète bien. Voilà. Vous voyez? Quand je vous disais que c'est limite même un format pour glisser 2 ou 3 ATC que vous avez fait dedans. Et donc là, mon fil central est caché dans la pochette. C'est aussi une technique et on ne voit nulle part la reliure, hormis là l'extérieur. Et ça, l'extérieur, on va le décorer après. Je sais, j'arrête pas que de vous le dire. Des fleurs, des feuilles, les oiseaux métallisés. C'est l'autre pendant de ce que vous venez de faire. Concrètement, j'aurais dû regarder. Si je vous ai dit 20aine de feuilles, j'ai quand même pas compté, je vais être très honnête avec vous. Donc, on en a une, hein, parce que là, on va considérer qu'il y a un bâton. 2, 3, 4, 5, c'est l'enveloppe. 6, celle-là n'est plus en 2. 7, 8, 9. 9 et encore, ça c'est une enveloppe, c'est pas obligé. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vous voyez, il n'y a même pas 20 feuilles là-dedans. Par contre, ça vous fait déjà un petit jug hyper conséquent. Voilà pour ce qui était de la reliure. Super simple. Hein. C'est-à-dire que là, je vous ai fait 2 trous. Et vous faites 2 tours pour être sûr que ce soit bien sécurisé. Concrètement, que votre reliure tienne bien. Vous passez une fois, vous repassez une deuxième fois. Pas vous faire votre nœud. Le nœud, je le voulais à l'intérieur. Vers l'extérieur. Donc, j'ai commencé vers l'extérieur. D'accord ? Si vous le voulez à l'intérieur et le cacher dans ce type de pochette, ben vous commencez par l'intérieur pour passer votre fil. Voilà. Ben écoutez, ça me semble pas mal. Maintenant, on va continuer gentiment. Je sais pourquoi. Ah, mais celle-là, elle n'est pas... Ah, ouais, celle-là, elle n'est pas ouverte. Il va falloir que je la rouvre sur le côté. Voilà. Ce que je vous propose. Très peu de temps. D'accord? Ça, c'est pour une reliure. Ensuite, on va s'attaquer à la déco ensemble dans les jours à venir. Parce que dans les jours à venir, j'ai quand même encore 2 ou 3 autres bricoles à faire en dehors du junk. Donc là, pour moi, le mini étant monté, pour moi, la partie la plus pénible est faite. Hein. C'est la partie couture et la partie allez, vas-y. Je vous... Ouais, si je vous le dis maintenant. Admettons, là, ça vous a plu. Vous dites, bon, on va essayer de suivre ce qu'Audrey dit. On va en faire 2 ou 3 comme ça. Parce que ça nous prend peu de temps. On en fait 2 ou 3. Et après, on les réunit pour les mettre les uns à côté des autres et faire des signets et faire un junk sur une tranche. Ah oui, là, ça sera plus difficile à cause de la pochette que j'ai fait. Mais bon, admettons, vous rattrapez, vous faites exactement le même point que j'ai fait à l'extérieur, là. Vous le faites sur votre tranche. Voilà. Et du coup, vous en mettez 1, 2, 3, le même point. Hein. Et les trous, je vous rappelle, sont déjà faits. Ça passe comme dans du beurre, etc., etc. Les trous sont déjà existants. Il n'y aura plus qu'à repasser. Et si vous voulez le faire, à le mettre sur une tranche
tranche. J'ai ça parce que j'avais l'intention de faire un junk là-dedans. Soupe à l'indienne. Voilà. Alors, regardez bien que ça se trouve, c'est à la limite à la bonne dimension. Vous voyez, vous faites toujours vos deux trous, vous prenez vos mesures pour qu'ils tombent bien. Vous en mettez un, vous en mettez deux, vous en mettez trois. Alors, ça y est, vous avez gagné. Hein. Vous avez un mini junk. Bon, rhabillé. Hein. Pas super waco. Soupe à la paresseuse, vous savez. Enfin, c'est ma mère qui appelait ça comme ça. Soupe à la paresseuse. J'adorais. Hein, quand je disais, qu'est-ce qu'on mange ce soir, soupe à la paresseuse. Moi, j'adorais. Bref. Maintenant, on arrête le blabla. 15 minutes, c'est beaucoup trop. Vous avez compris qu'une fois que vous savez faire ça, vous pouvez les relier à n'importe quoi, à une tranche, et donc vous faire un gros junk. Un gros junk, tout en sachant que vous ne fatiguez pas parce que vous faites des petits signets. En fait, oui, il y a aussi la teinture des pages, quoi. Ça, comme elles étaient déjà pré-teintées, mais justement, moi, je fais mes mini junk à partir de toutes mes chutes des gros junk. Donc, voilà pour celui-là. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la déco oiseaux et fleurs, parce que j'ai envie que ce soit oiseaux et fleurs. Voilà, bisous.